Salut, salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Niels et on continue la saga TP Server Web Linux spécialement accessible aux débutants. Donc on est au sixième épisode et jusqu'à maintenant les choses fonctionnent pas trop mal. Et salut à toi Haribo, bienvenue. Alors comme on est en stream du dimanche, j'espère que vous avez passé toutes et tous une excellente semaine et un bon week-end aussi. Et on commence déjà par un follow. Merci Sonic PM pour ton follow. Et salut à toi Xavier G aussi. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui se disent bonjour? Week-end pluvieux par ici. Ah, c'est chouette, tiens, Sonic PM qui arrive, qui follow, qui commence à dire bonjour. Ferais-tu partie de ce genre de personne qui aime discuter? Donc, petite mise en place à droite à gauche. Et donc, TP serveur Linux. Alors, petit rappel d'abord, quel est un peu l'objectif de cette série de vidéos? En gros, l'idée, c'est d'amener des personnes, peut-être vous qui me regardez à présent là, qui n'ont pas l'habitude d'admin 6, de faire de l'admin 6, et qui souhaitent voir comment on installe, comment on gère un serveur web, comment on met en place un site web sur un serveur web pour la culture ou voire même parfois pour l'école, puisqu'à l'origine, en fait, c'est le début de CTP était en fait une sorte de, je dirais, deuxième version d'un cours que j'ai donné dans une école. Donc l'idée c'était que bah, les étudiants pouvaient avoir accès à une vidéo si jamais ils voulaient revoir un point précis ou si jamais ils avaient manqué la classe. Xavier qui nous dit qu'il se bat depuis ce matin avec des expressions rationnelles sur fail to ban avec OpenVPN. Ah oui. Ah oui, c'est du lourd. C'est du lourd pour ce week-end, Xavier. J'espère que c'est toi qui as gagné et pas fail to ban. Toujours est-il que par rapport donc à cette série de vidéos et donc de TP. On en était resté. On avait d'abord installé nos machines. On avait vu qu'on pouvait automatiser leur installation. On avait ensuite fait joujou avec bah, les bases de la virtualisation. Et on a pu ensuite découvrir les bases de l'accessibilité, enfin de l'accessibilité, plutôt de l'accès à nos serveurs Linux avec notamment SSH. Et puis ensuite on est rentré dans le vif du sujet avec l'installation et le paramétrage basique d'un serveur web Apache. On a vu qu'on pouvait installer plusieurs sites web grâce au VirtualHost. Et puis dans les deux dernières vidéos, on a commencé à faire joujou avec PHP qui nous permet d'avoir des pages web dynamiques et avec un système de gestion de base de données. En l'occurrence, MariaDB qui est compatible MySQL. On a même utilisé une interface web pour ce MariaDB qui s'appelle PHP MyAdmin. Maintenant qu'on a un peu toutes ces briques et qu'en plus, lors de PHP, on a pu installer un petit logiciel PHP, un petit CMS assez sympa qui s'appelle PluxML. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, bah, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce simple CMS, mais c'est d'aller sur un CMS un peu plus complet, un peu plus connu, qui s'appelle tout simplement WordPress. Alors, on va dérouler une installation de WordPress, tout ce qui est de plus classique, mais ce qui va être intéressant, c'est justement de voir bah, que les paramètres que nous demande WordPress de son installation, bah, on les a vus tout au long des différents TP. Ensuite, si on a le temps, on va commencer à découvrir ben, l'installation d'un autre serveur web que Apache, c'est-à-dire Nginx. Voili-voilou pour le programme d'aujourd'hui. Je vais d'abord regarder un petit peu le chat. Ah, le match fail to ban versus Xavier G, a priori égalité. Donc, tu as failli la ban. Ah oui, c'est assez. Fail to ban, c'est quand même assez puissant.
Faut dire ce qu'il y a, L2ban, c'est assez puissant. Alors, je ne l'ai pas utilisé moi avec OpenVPN, mais justement, je m'étais amusé avec notamment WordPress, justement, pour empêcher des petits rigolos de tenter de rentrer sur une interface web d'admin de WordPress à grands coups de force brute. Avant de démarrer notre installation de WordPress, je voudrais vous proposer un truc qui est pas forcément ultra préparé. C'est que si vous vous souvenez bien, lors de la vidéo précédente, alors qui en plus exceptionnellement avait été enregistrée un lundi, je m'étais rendu compte, parce que j'étais un peu à l'arrache, que j'avais mal installé l'une de mes machines et j'en ai pris une autre qui ne correspondait pas au numéro de la machine que j'avais indiqué dans le TP. Donc ce que je vous propose, c'est que on va commencer déjà par revenir sur la bonne machine. Donc on va plus ou moins vite fait copier des trucs à l'arrache sur d'une j'ai envie de dire d'un serveur à l'autre et puis ensuite on va pouvoir dérouler notre installation de WordPress. Alors pour cela, hop, on va repasser comme ça. Je suis ici sur dans mon répertoire de cours serveur Linux. Je vais en profiter puisque j'ai mis à jour un peu, hop, un petit git pull -r et on va récupérer les dernières données. Donc on peut voir qu'entre-temps, donc le TP Nginx est disponible. J'avais donc plusieurs machines. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer par ça, ici, hop. Et rajouter ça là. Hop. Comme ça. On est bien installé. Pas. Ah, c'est pas super lisible par ici. Hop. Je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà. Alors malheureusement, ouais, en haut à droite, le chat, on le verra pas beaucoup. Mais le reste, c'est bon. On peut lire que Xavier avec SSH avait pas de soucis et qu'il a même un bot Telegram qui lui renvoie les alertes. Oui, c'est vrai que Telegram a cet avantage que fabriquer un bot pour Telegram, c'est assez facile. Et on peut assez facilement, avec des petites lignes curl, communiquer avec le bot, faire communiquer le bot Telegram. Alors, c'est un peu hors sujet par rapport à aujourd'hui, mais moi, je l'ai fait pour du Monito. Je l'ai fait pour du Monito. J'ai un système de supervision qui justement, m'envoie des messages via un chat Telegram. C'est très pratique. Puis ça évite de payer des SMS. Donc, je disais, je voulais essayer de revenir en fait, parce que si je prends mon TP PHP MyAdmin et mon TP MariaDB, hop, à la base, le TP9 démarrait par installer ça sur serveur 12. Sauf que moi, j'ai tout fait sur serveur 13. C'est un peu ennuyeux. Donc, l'idée, c'est que j'aille rapidement, on va dire, remettre en place, enfin, mettre en place serveur 12. Pour gérer ça. Alors, pourquoi je veux faire ce petit truc avant? La raison est relativement simple, c'est que le reste du TP, notamment WordPress et Nginx, bah, se base sur le fait que j'ai pas eu de soucis avec Server 12. Donc, si jamais vous suivez cette vidéo et vous avez correctement fait les choses sur Server 12 suite à la vidéo précédente, bien entendu, vous pouvez, si vous regardez cette vidéo en enregistré, vous pouvez sauter quelques minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur serveur 12 déjà. Non, pas serveur 1, serveur 12. Hop, on va passer route. En fait, on va rapidement, on va installer MariaDB Server. Je vais peut-être pas refaire tout le TP, hein, mais. Alors, serveur 12 ayant été réinstallé il y a peu, je peux faire un apt install MariaDB serveur. Hop. On continue. Vite fait. Alors, si en plus vous avez loupé la vidéo de la fois précédente, ça va, c'est pas dramatique, vu que je vais power leveler entre guillemets le TP. Pendant ce temps, n'hésitez pas, hein,
Si jamais vous voulez rejoindre la communauté, sachez qu'on a un Discord dont l'URL est ici. Et on commence à avoir un peu de monde, hein. On commence à être nombreux sur le Discord, mine de rien. On est... Oh punaise. Ah, on a une bonne quarantaine, hein. Ah super, merci pour le point d'exclamation Discord, Xavier. L'occasion de vous encourager aussi à vous follow comme l'a fait Sonic PM. D'ailleurs, Sonic PM, je crois que j'ai oublié quelque chose parce que chaque follow, chaque sub, j'ai tendance à faire un cœur avec les doigts et je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc tiens. Merci beaucoup pour ton soutien. Alors, une fois que ça s'est installé, ben, on fait le MySQL Secure Administration, hein, le classique, hein, enfin installation, pas administration. Et donc, switch to. Alors, bah, pas besoin. Ça, oui. Ça, non. Remove les anonymous, oui. Disallow login root remotely, oui. Ensuite, remove test database and access to it. Ah, bah oui. Et on recharge les privilèges. Voilà. Donc, on tient. Allez, je vais le faire en MySQL pour cette fois-ci. On a un show database. Juste vérifier que effectivement on n'a pas le truc de test. Hop. Alors la new DB à la limite, elle n'est pas gênante si on l'a pas fait. Moi ce que je vais vouloir surtout faire, c'est la connexion distante. Hop là, la connexion distante. Donc paramétrage, nanana. Donc on arrête tout ça déjà. Sonic PM, tu vas écouter les streams précédents. Bah c'est gentil à toi. Merci beaucoup. Alors je sais que les derniers, là, les dernières semaines, elles ont été comment dire, assez lourdes pour moi sur le plan personnel. Donc j'ai pas forcément mis les derniers streams en replay sur YouTube. Et comme je ne suis plus Amazon Prime, on n'a plus accès qu'à 2 semaines de replay sur Twitch. Mais je compte bien me rattraper. Je compte bien me rattraper. Généralement, j'ai tendance à faire ça un peu par vague. Et notamment, vous trouverez dans les replays intéressants sur la chaîne YouTube les fois où j'ai joué avec le botnet Mirai. C'était assez chouette. J'ai bien aimé. donc, on arrête MariaDB. Hop, MariaDB. Voilà. Et on va éditer ETC. Oh bah, oui, ETC MySQL. Hop. Serveur.cnf. Et on disait que on allait skip network bind address. Voilà. Et ici, on le commente et on rajoute. Hop là, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on start. On va ici et je crois qu'à un moment on voulait mettre en place un nouvel utilisateur. Un nouvel utilisateur root de mémoire. Hop là. À moins qu'on le fasse avec PHP MyAdmin à un moment. Oui, c'était ça. Voilà. Paf. Et il n'y a plus qu'à flush les privilèges. Faut toujours penser à recharger les privilèges, bien entendu. Sinon, ça ne suffit pas. Donc maintenant que là, sur serveur 12, on est bon. On avait fait le PHP Mining sur serveur 11, donc on va aller se connecter sur serveur 11. Et on va les modifier. C'est donc ETC dans slash ETC PHP MyAdmin config -db. Et en fait, ici, au lieu du 13, eh ben, je mets le 12, puisque c'était ce qui était initialement prévu dans le TP. Maintenant, si je reprends mon navigateur et que je vais sur la partie PHP MyAdmin. Voilà. Route remote
passe ne pas enregistrer et donc je suis bien sur je suis bien si je regarde, je suis bien sur le serveur 12. D'ailleurs du coup on voit plus rien au niveau du chat. Hop là. Voilà, là c'est mieux. Donc on est bien sur serveur 12. On va tout de suite pouvoir aller dans base de données. Ah non, c'est dans utilisateur de mémoire. Et on va créer un utilisateur et une base de données qu'on va appeler blog. Avec le mot de passe myblog. Ouais, c'est ça. Donc, on ajoute un compte utilisateur qu'on va appeler donc blog. Nom d'hôte, on va laisser %. J'ai laissé %, il fallait mettre %, ou ouais, depuis n'importe où. Donc %, c'est normal. Mot de passe, on a dit myblog. Et on saisit à nouveau. Voilà. Et on crée une base qui porte son nom et on donne à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base. Ok. Et ensuite, tout en bas, exécuter. Voilà. Et donc, petit rappel, bah, avec PHP MyAdmin, ce qui est assez cool, c'est que voilà, il affiche la comment dire, la syntaxe SQL. Et ça peut être assez pratique si par exemple vous voulez d'abord faire les choses en graphique et puis ensuite vous voulez rajouter des choses dans un script shell pour préparer, je sais pas moi, un truc plus ou moins automatique ou uniquement sur de la CLI. Vous pouvez avoir un environnement de test avec un PHP MyAdmin et avoir un environnement de production sans PHP MyAdmin. Ça peut être une idée. Alors évidemment, je vous décourage fortement d'avoir PHP MyAdmin accessible comme ça sur Internet, parce que c'est quand même un outil qui est assez complet, assez complexe. Alors le logiciel est suivi, hein. Les développeurs de PHP MyAdmin sortent des mises à jour régulièrement, mais c'est un outil qui a connu pas mal de vulnérabilités dans le passé. J'ai envie de dire comme beaucoup d'outils maintenant un peu qui ont un peu de bouteille, comme c'est le cas de PHP MyAdmin. Et on est, enfin voilà, faut le maintenir à jour et c'est pas toujours évident. Une fois que ça c'est fait, normalement, je pense que je suis revenu sur la partie MySQL entre guillemets. Donc là je suis bon. Juste un truc, je vais vouloir faire le nettoyage de ma VM serveur 13. Et ce que je vais faire, c'est que pour le nettoyage de ma VM serveur 13, eh ben on va aller dans documents, cours serveur Linux, dans précide, on va lancer un petit serveur web, python3-m http.server. Alors si vous demandez d'où sort cette commande, je vous rassure, elle est présente dans l'un des anciens TP. Et ce que je vais faire, c'est que, comme l'un des anciens DP, je vais réinstaller la machine de façon automatisée. Non, j'ai dit. Je vais réinstaller la machine de façon automatisée. Hop. Donc, on va les options avancées. On fait une install automatique. Ça va, 18h25, je suis pas si à la bourre que ça. J'aurais rattrapé mes soucis de la vidéo précédente en moins d'une demi-heure? Non. Alors pour l'anecdote, j'ai quand même un peu bataillé pour réinstaller le serveur 12 cet après-midi. Il y avait un souci d'accès au dépôt Debian. Donc si ça se trouve, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être faire la même petite modif que j'ai faite, juste changer l'adresse du dépôt. Sauf que je crois que j'ai été un peu optimiste. Ah non, c'est bon. Hop là. Hop. Bah alors, pourquoi il répond plus lui? Ok. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Et alors généralement les aléas du direct, ils arrivent pas souvent. Mais quand ils arrivent. Non, alors ça c'est bon.
Ça, j'y accède. Là, on est bon. Là, on est bon. Ok, ça, c'est cool. Je peux revenir comme ça. Et ce serait Virk Manager qui... Ce serait Virk Manager qui me casse les pieds, en fait. Ah, l'effet Bonaldi, non, c'est pas tout neuf. C'est pas tout neuf, l'effet Bonaldi. En effet, il y a Libvirt qui a, enfin Libvirt ou Virt Manager qui a décidé de me casser les pieds ce soir. Vilain Virt Manager. Il va... Ah, si, ça y est, c'est bon. Voilà. Non. Non, 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 c'est pas bon. Ah, voilà. Server12.cfg. Alors Xavier, si j'ai plus assez de RAM, ce serait assez étonnant. D'ailleurs, pas server12, server13.cfg. Hop. Non, non, je pense pas qu'il y ait de problème de RAM, parce que de toute façon, la machine Ubuntu, elle a 8G de RAM, et les machines Debian, là, les machines virtuelles, elles ont 1 Go de RAM, donc normalement, normalement ça devrait passer. Alors j'ai peut-être été un peu radin en CPU, mais il n'y a pas de raison. Bien, pendant que lui s'installe, on va pouvoir attaquer le TP suivant. Hop, donc WordPress. Je suis en train d'installer ça en 13, oui. Oh, c'est dingue ça. Dès que je repasse sur l'image de l'installation de la VM, c'est décidément. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que WordPress? Alors d'abord, quelques petites généralités. Il existe de nombreux systèmes de... avant que je me lance. Avant que je me lance, si vous voulez suivre... Si vous voulez suivre, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Hop. Parce que comment dire, tous les intitulés de TP, tous les énoncés sont disponibles sur GitHub. Je viens de vous envoyer donc l'URL dans le chat. Et je l'ajoute aussi dans les liens du live. Qui est donc un channel sur le Discord. Donc. Maintenant que ça c'est dit, il existe de nombreux systèmes de gestion de contenu, notamment écrits en langage PHP et qui utilisent une base de données MySQL ou MariaDB, comme on a vu la dernière fois. Certains sont spécifiques à un usage, notamment j'ai envie de dire, deux poids lourds de la boutique en ligne, entre guillemets en auto-hébergé, c'est Magento et PrestaShop. Ou alors, vous avez aussi des logiciels qui vous permettent de créer facilement des blogs, comme Dotclear ou PluxML, qu'on a vu justement la fois précédente. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus génériques, comme Drupal et Joomla. Alors, bien souvent, quand je dis bien souvent, c'est que certains de ces CMS vont généralement, enfin, tous, vont être plus ou moins open source, et certains vont avoir soit une association ou une fondation qui est adossée au logiciel quand il est assez connu, soit parfois une entreprise. Typiquement, dans le cas de Magento, par exemple, c'est Adobe. Oui, oui, le même Adobe de Photoshop, Premiere, Illustrator, voilà. C'est les mêmes qui font Magento. Je sais, ça fait bizarre. Mais voilà, donc vous pouvez avoir des sociétés qui vous proposent du support professionnel pour ces logiciels. Et vient WordPress. WordPress, c'est sans doute le CMS PHP le plus utilisé à ce jour, voire même toutes techno confondues, hein, pas que PHP.
Alors, à la base, c'est un logiciel qui est très pratique pour faire un blog. Néanmoins, grâce à ses capacités de thème et à ses fonctionnalités qui ont évolué à travers le temps, on peut utiliser WordPress pour fabriquer un site internet de façon, j'ai envie de dire, générale, générique même. On peut se créer un portfolio, on peut se créer un site institutionnel quand on est une entreprise, on peut même créer une boutique en ligne. Il existe plein de plugins pour plein de fonctionnalités et il existe un plugin pour transformer WordPress en site boutique. Alors, c'est peut-être pas aussi puissant et poussé qu'un Magento ou un PrestaShop, quoique je suis pas expert dans ces CMS, ni sur le plugin WooCommerce donc, qui transforme WordPress en boutique en ligne, mais le fait est que c'est possible. Donc, vraiment, le principe de WordPress, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment j'ai envie de dire, un couteau suisse, une trousse à outils assez générique qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Ouais, on pourrait le dire, hein. Je crois même qu'il y a des gens qui arrivent avec des plugins ou des thèmes à avoir un WordPress en mode ce qu'on appelle une single page application. Donc en gros, un site web qui reste sur la même page. Donc c'est assez puissant. Alors, avant de démarrer la partie technique, cette popularité a quand même un revers de la médaille. C'est qu'aujourd'hui, WordPress est sans doute le CMS le plus attaqué en termes en termes de vulnérabilité. Dès qu'il y a des vulnérabilités dans WordPress ou dans l'un des plugins, elles sont très vite exploitées dans la nature. Et Xavier donc qui nous dit attention à bien mettre à jour. Oui, il faut faire attention à bien mettre à jour, y compris les plugins, surtout les plugins. Je dirais la première cause de vulnérabilité dans un WordPress aujourd'hui, ce sont les plugins tierce partie développés par des gens qui font ça sur leur temps libre. Je dis pas que c'est le cas de tous les plugins, hein, mais ça peut être certains plugins que vous allez trouver utiles, qui sont pas très populaires, faits par quelqu'un sur son temps libre, et quelqu'un va trouver une vulnérabilité, va pas forcément la rapporter, et va plutôt l'exploiter. Et malheureusement, bah, vous risquez de tomber dedans. Donc attention au choix des plugins, au choix des thèmes. Il y a même des gens qui vont créer des plugins ou des thèmes qui en apparence sont jolis, sympas et surtout gratuits et qui cachent parfois des codes sources malveillants. Ce qui a notamment poussé les gens qui développent WordPress à créer en fait, à être beaucoup plus, comment dire? En fait, bien souvent, la mise à jour d'un logiciel, elle va être déclenchée, j'ai envie de dire, manuellement par un utilisateur. En particulier dans le cas des CMS en PHP. Dans le cas de WordPress, aujourd'hui, lorsque vous avez une mise à jour mineure pour votre WordPress, WordPress l'applique automatiquement. Régulièrement, il va aller pinger les serveurs de chez WordPress, et s'il y a une mise à jour mineure, il l'applique automatiquement. Ce qui a un avantage, c'est que normalement, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Ça a un inconvénient, c'est que si jamais vous avez des développements spécifiques sur votre WordPress, il y a malgré tout un risque, léger, mais un risque, bah, que le truc se casse. Pas qu'il s'en aille, mais que voilà, qu'il y ait un problème, genre vous avez un thème qui fait appel à des trucs un petit peu particuliers, malheureusement ça a été touché à la mise à jour, et votre thème ressemble plus à rien. C'est un truc qui peut arriver. Bref, assez blablaté, passons à l'action. Sur le serveur 11, on va créer un nouveau VirtualHost Apache dont les paramètres seront blog.example.com avec un alias. Donc, si je retourne sur serveur 11, bah ça tombe bien. etc apache 2 site available. Donc ça, normalement, maintenant, on gère, hein, on connaît. Et on a les emplacements des fichiers. Alors, vous remarquerez que si vous avez suivi les TPS précédents, grosso modo, c'est une arborescence qui ressemble beaucoup au précédent. Donc en fait, on va pas s'embêter la vie, hein, cp-vp serveur 11. Hein. On va blog.example.conf.com, pardon. .conf. Hop. Et donc, on va aller remplacer tout ce qui est serveur 11 par blog. Voilà. Donc jusque-là, tout va bien.
Je vais peut-être enlever la valeur, le truc PHP MyAdmin là qu'on avait sur lequel on s'était amusé. Directory index, on va le laisser comme ça. Et normalement, il nous disait the host combined. Donc attends, on va commencer par revérifier. Nom du serveur blog.example.com. On est bon. Serveur alias blog. On est bon. Emplacement des fichiers. SRV www.blog.example.com public. Paf, 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 on est bon. Emplacement du log d'erreur. Donc dans le répertoire log, error.log. On est bon. Alors je vais peut-être enlever le error label. Je vais peut-être enlever le. Hein, on va le laisser en info, ce sera déjà pas mal. Et ensuite, access log, access.log. Et le format du log d'accès, the host combined. Ok. Bon, il n'y a rien précisé sur le directory index, on va le laisser comme ça. Hein. Donc là, pour l'instant, on est juste dans le site available. Et par contre, on a juste créé la configuration Apache. On ne l'a pas encore activée. Et ce qu'on n'a pas encore fait non plus, c'est de créer notre arborescence. Donc on va commencer par créer l'arborescence. Ça tombe bien. On a déjà notre serveur 11, notre 3W11. Hein. Et si je me rappelle bien, on a même qui a dit. Ah bah voilà. Comme quoi, des fois, l'history, ça aide hein, pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Hein. Répétez après moi. Le bash history n'est pas une documentation. Donc là, c'est 3W11, mais on va remplacer par blog. Voilà. Et donc, j'ai bien mon répertoire log et mon répertoire public. Donc, jusque-là, tout va bien. Normalement, on est tranquille. Donc, on va faire notre a2nsite blog.example.com. Voilà. On va recharger notre Apache. Ça, c'est cool. Et on va peut-être commencer par vérifier que notre virtual host fonctionne. Donc, on va aller dans blog, on va aller dans public, on va créer un index.html. Coucou, bientôt ici un WordPress. Hop. Donc là, si je reviens ici et que je fais blog.example.com, nous ne parvenons pas à. Ah bah oui. Si ça se trouve même, c'est inscrit dans l'énoncé du TP. Hein. Et oui, c'est inscrit dans l'énoncé du TP. Ajouter sur la machine hôte l'entrée blog.example.com dans slash etc slash host. Voilà. Hop. Hop là. Alors, est-ce que cette fois-ci c'est mieux? Cette fois-ci c'est mieux. Bon, on remarquera qu'il y a des fois un petit peu de soucis avec les caractères spéciaux, mais c'est pas le plus important. Et si jamais je vais dans SRV3W blog et que je vais dans les logs, on peut voir que j'ai un access et un error qui sont présents. Et si je regarde mon access log, on peut voir que effectivement j'ai bien mon blog.example.com. Et bon, la 404 sur la favicon, c'est un classique. Hein, on a vu ça lors des précédentes vidéos. Maintenant, passons à l'installation de WordPress. Copier le lien ici, et puis on va aller là, et puis on va faire un petit wget. Est-ce que j'ai wget? Oui, j'ai wget. Donc, wget. Alors, ça, c'est un truc, c'est aussi l'occasion d'ailleurs de montrer des choses un petit peu plus qui peuvent arriver. Dans notre cas de figure ici, pour une raison que j'ignore, wget n'est pas capable comment dire, de se fier au certificat qui est présenté par wordpress.org. Qui est. Oh tiens, Sectigo. Ok.
Alors que là, on voit qu'il n'y a pas de souci avec mon navigateur. Je suis bien sur WordPress.org, le truc m'affiche le petit cadenas, le petit bouclier, tout va bien globalement. Donc, une option assez sympa de wget, qui est donc moins moins no-check-certificate. Hop, voilà. Et donc là, il dit, il refait les warnings, hein, mais cette fois-ci, il laisse couler. Voilà, donc j'ai mon archive. Et donc, on va pouvoir avancer. Donc, on va décompresser l'archive et on va. Alors, je vais la décompresser ici. XVZF. Latest. Alors. Alors, c'est un peu ce que je. Hop. Donc là, en fait, il m'a tout décompressé dans un répertoire WordPress. Moi, je vais pas m'embêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un MV de public vers public old. Voilà. Et je vais faire un MV de WordPress en public. Comme ça, en fait, le blog, enfin le blog, le site WordPress sera installé directement à la racine. Donc, on peut voir, hein, il y a l'index.php qui est ici. Par contre, l'utilisateur et le groupe sont nobody no group. On va modifier récursivement de façon à ce que ça appartienne à 3w-data. Pour cela, et on fait un ch own. Alors, on va faire d'abord route, deux points route de juste de public. Comme ça, juste le répertoire public ici, il appartient à route. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un ch own 3w-data, 2.3w-data. On va même faire un truc. Hop. Petit oubli, moins grand R, je dis moins grand R, petit V. Alors pourquoi grand R? Pour que ce soit récursif. Pourquoi petit V? Pour qu'il nous affiche ce qu'il fait. Ça le ralentit dans le cas de certaines grosses arborescences. Des fois, le verbeux vaut peut-être mieux l'oublier. Mais dans ce cas de figure-là, sur du WordPress, public slash étoile. Alors par contre, ma crainte, c'est que. Non, il n'y a pas d'HT Access là-dedans. Ok, cool. Donc là, globalement, tout appartient à 3W-Data. Et de la même façon, je crois que je l'avais signalé quand on avait installé PluxML. Vous remarquerez qu'au niveau des droits, hein, on reste sur un truc qui est relativement. Comment dire? Je vais pas dire safe, mais c'est pas ultra dangereux. C'est pas. J'autorise tout le monde à écrire dedans. Et pour celles et ceux qui se demandent à quoi correspond cet utilisateur 3W-data, eh bien en fait, on peut aller voir dans le fichier des comptes, on voit que globalement, var 3W, c'est un utilisateur qui est là pour le serveur web et pour le serveur web Apache. On peut même aller regarder, je crois, c'est dans etc Apache 2. De mémoire, je pense que c'était pas dans vars. C'était pas dans vars? Si, voilà. Apache run user, 3W data, Apache run group, 3W data. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir se rendre sur blog.example.com et on va voir si notre blog nous propose un setup. Oui, il nous propose un setup. Magnifique. Bon, bah, vu qu'on est sur une chaîne francophone et si moi, habituellement, j'aurais eu tendance à le faire en anglais, on va aller chercher français. Hey, on a un nouveau follow! Merci beaucoup. Merci à toi, Shikabi23. Alors, English, espagnol, français. Hop là. Alors, bienvenue sur WordPress. Alors, on a besoin de quelques informations. Nom de la base de données, identifiant MySQL, blablabla, ce genre de choses. Ok. Eh ben, c'est parti. Pop, pop, pop. Alors, avant d'y aller bêtement. Ça, c'est important. Si pour une raison ou une autre, la création automatique du fichier ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. Sa seule action est d'ajouter les informations de base de données dans un fichier de configuration. Vous pouvez aussi simplement ouvrir wp-config-sample.php dans un éditeur de texte, y remplir vos informations et l'enregistrer sous le nom de wp-config.php. Donc, on va quand même jeter un œil à notre arborescence.
Donc on a ici un wp-config-sample. On va jeter un œil à ce qu'il y a. On va pas le faire à la main. On va d'abord vérifier si on peut le faire tranquillement. Mais voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis vous voyez qu'on a des trucs genre define avec des variables. Et on va mettre des valeurs. Et en fait, l'installeur va tout simplement prendre ce fichier comme patron et va créer un nouveau fichier avec les bonnes valeurs. Alors, on se rappelle que je reviens volontairement sur le PHP MyAdmin. On se rappelle que notre serveur de base de données n'est pas sur la même machine que le serveur web. Et quand on est là, on voit bien que il est sur le 122.12. Donc, si je reviens sur mon installeur de WordPress, on va essayer. Alors, je vais peut-être quitter le... Non, c'est bon, je l'avais quitté. Ok. Donc, le nom de la base de données ici, c'est blog. Vous vous rappelez, on l'a fait dans le TP précédent. L'identifiant, c'est blog. Et si vous vous rappelez, le mot de passe, c'est myblog. Oui, je sais, c'est pas un mot de passe très sécure. Mais encore une fois, on est ici juste en TP, en local. L'adresse de la base de données. Demandez cette information à l'hébergeur de votre site. Ça tombe bien, c'est moi. Et ici, l'adresse IP, voilà. Et on va laisser le préfixe des tables par défaut. Bon, voilà. Alors, impossible d'écrire. Alors, pourquoi il ne veut pas écrire dedans? Ça me surprend. Oh, si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. On va résoudre ça tout de suite, pour le principe. On va revenir d'un point en arrière. Est-ce qu'il y a une incidence à changer le préfixe des tables? Excellente question, Xavier. Excellente question. Normalement, non. Normalement, non. Comme c'est indiqué d'ailleurs sur l'installeur, c'est si jamais tu veux mettre plusieurs WordPress dans une même base de données. Alors, la raison pour laquelle on pourrait vouloir faire ça, c'est très simple. C'est que tu peux avoir des hébergeurs qui te fournissent de façon assez, pour pas cher, un hébergement PHP MySQL. Et ils vont te fournir une base de données, inclus dans le prix. Et ils vont te dire, par contre, tu peux mettre plusieurs sites, mais une seule base de données. Et si tu veux une base de données supplémentaire, tu dois payer un supplément. Donc, ce que tu peux faire, et WordPress, les gens qui ont créé WordPress ont eu l'idée de pouvoir personnaliser le préfixe des tables. Et c'est pas gênant parce que de toute façon, toutes ces informations-là, elles vont aller dans le fichier de configuration. Donc, à la limite, ici, je pourrais remplacer WP underscore par n'importe quoi. Ça passe sans problème, normalement. Bonsoir à toi, Scarybox, bienvenue. Bienvenue sur la vidéo. On peut... En fait, là, je l'avais mis. En fait, j'avais mis le répertoire public à route. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas écrire dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit slashown. www.data au répertoire public. Juste le répertoire public. Et là, normalement, si je refais envoyer, ça devrait passer. Voilà. Et on peut vérifier d'ailleurs. Hein. On va aller dans public. Et on voit bien qu'il m'a créé un wp-config.php. Il a gardé le sample. On peut même faire un petit diff, tiens. Moins bu, moins moins color. Et on va faire wp-config-sample et wp-config.php. Voilà. Donc, il a bien remplacé, en fait, les informations. On aurait même pu pousser le bouchon un peu plus loin, par exemple, pour la blague. Hein. J'aurais pu faire créer, dans le TP, une base de données qui s'appelle Database Name Here, et un utilisateur qui aurait les droits sur cette base, et qui s'appelle Username Here, et le mot de passe serait Password Here, et mettre le serveur de base de données en local. Mais voilà. Et là, vous pouvez voir que voilà, il y a des trucs d'authentification et de sécurisation avec des grains de sel
Alors, ce genre de choses-là, en théorie, faut pas les montrer à l'écran. Je dis bien en théorie. Faut pas les rendre publics non plus. De toute façon, le fichier de configuration, faut jamais le rendre public. Mais là, comme on est sur un TP en local, voilà, c'est pas gênant. Mais sacrée valeur, hein, les grains de sel, hein. Punaise. Donc, lançons l'installation. Alors, il va nous proposer un titre de site. Je sais pas, moi. TP serveur Linux. Allez. Identifiant Nils. Hop. Mot de passe. Alors, ce qui est assez cool, c'est que WordPress se rend compte que bah, les gens sont pas des. Les gens qui installent WordPress aujourd'hui, globalement, WordPress est fait pour être accessible au plus grand nombre. C'est vraiment de la facilité maintenant aujourd'hui installer WordPress. Et demander aux gens de choisir un mot de passe, c'est le meilleur moyen pour qu'ils choisissent le nom de leur chien. Non mais véridique. Véridique, un jour j'ai eu une voisine qui m'a demandé de l'aide avec son ordinateur et à un moment je lui ai demandé de rentrer son mot de passe et j'ai voulu regarder à côté, elle m'a fait « Oh mais vous inquiétez pas, hein, le mot de passe c'est le nom de mon chien » et elle donne comme ça le nom du chien. Bon. Toujours est-il que maintenant, pour éviter les attaques par brute force sur les WordPress, maintenant WordPress propose directement un mot de passe efficace. Et bien entendu, il faut le stocker dans un lieu sûr. Alors encore une fois, ici, hein, on est sur un environnement de TP qui est totalement privé. Donc, les gens qui me suivent maintenant depuis quelques temps savent que je me gêne pas quand je suis en environnement de TP et que je suis absolument en local. Voilà. Mais ne faites pas pareil chez vous sur un truc public. Et oui, je veux utiliser un mot de passe faible. Pom, 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 pom. Alors, eh ben, on va mettre nims at example.com. Parce que je sais que c'est une adresse qui n'existe pas et que voilà. Ce qui est assez pratique, c'est penser quand même à mettre ici, voilà, vérifiez bien cette adresse email. Si jamais vous le faites sur un site public, bien entendu. Mettez une véritable adresse mail parce que c'est utilisé exprès par WordPress pour réinitialiser le mot de passe si jamais vous le perdez. Merci beaucoup pour le follow, Saucisse. Merci à toi. Et donc, hop, on n'indexe pas ici le site. De toute façon, il est en local. Hop. Pas en. Oh, allez, enregistré. C'est pas grave. Alors, il mouline un peu. Il fait quoi de beau? Travaille un peu. Ah, c'est même pas le serveur web qui travaille en fait. Ah, voilà, WordPress est installé. Se connecter. Oh bah. Hop, mot de passe. Se connecter. Bienvenue sur WordPress. Oh, 592. Ok. Et donc, on a un article, un commentaire, une page. Alors. Profitez du blog pour y écrire. Bon, bah voilà. Toutefois, l'installation n'est pas optimale. Dans le menu Tools, regardez la rubrique. Ah oui, alors oui. C'est la blague quand on crée le TP sur un environnement en anglais. Alors, dans le menu Tools, donc en français, ça doit être Outils. Poum, article, Média, page, apparence, extension, compte, Outils. Et santé, quelque part, santé du site. Voilà. Bien, alors, 4 améliorations recommandées. Oui, les extensions inactives. Ok, vous devriez retirer le thème inactif. Un ou plusieurs. Voilà, ça c'est intéressant. Le module facultatif curl n'est pas installé. Le module facultatif imagique n'est pas installé. Le module facultatif zip. Nanana. Ok. Trouver les paquets Debian correspondants et les installer. Ok, alors là c'est relativement simple en fait. Si vous vous rappelez, quand on avait fait la partie PHP, d'ailleurs si je fais un history, une petite history, pas le grep PHP, on avait recherché notamment, voilà, on avait fait un apt install par exemple pour le PHP XML,
On avait vu le cas de figure hein, pour PluxML justement, où on se demandait PHP XML comment on l'installe, et généralement c'est PHP numéro de version -extension. Dans notre cas de figure, donc curl normalement ça devrait être ça. Donc on peut faire un apt install php curl. Voilà. PHP imagique. Hop. Alors imagique, c'est super pratique. C'est pour la retouche d'image. À la base, c'est un outil en ligne de commande qui permet de faire de la modification d'image en ligne de commande. Et donc, en fait, la bibliothèque PHP permet d'appeler cet outil via PHP. Donc, c'est assez pratique. Moi, je sais que je m'en sers. Alors, mon site perso n'est pas en WordPress. Il est en statique. Et quand je mets des images d'illustration, je vais récupérer les images en pleine résolution et j'ai un script imagique pour en fait redimensionner automatiquement l'image. Donc comme ça, je crée la miniature avec une valeur fixe de comment dire, de taille, et ça me permet de gérer comme ça, d'avoir une image plus petite. Alors zip, on fait pareil, hein, php-zip. Voilà. Intl. Donc, PH. Tiens, on va faire un truc. C'est. Ah mince, je sais pas comment s'appelle le paquet. Ben, apt search. On va faire PHP. Donc on a plein de trucs. On va faire pipe grep intl. Alors bon, apt n'a pas une. Nanana, ok, ça on a compris. Ben voilà, php-intl. Alors attention, il y a des trucs en plus qu'on voit, hein, Symfony, Twig. Mais voilà, PHP. Alors, on va peut-être remonter, ce sera plus simple. Apt install php-intl. Hop, voilà. On va lancer Apache. Voilà. Et maintenant, si je rafraîchis la page, roulement de tambour. Ah, il y a tout de suite beaucoup moins de trucs. Alors, il y a des trucs, on va pas les voir tout de suite. On va pas les voir tout de suite parce que bon, ce sera abordé dans un sujet en particulier, notamment HTTPS. Les thèmes inactifs, mais néanmoins, ça reste toujours utile de jeter un œil à cette page. Voilà, on peut gérer, il y a plusieurs thèmes. Pop, 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 pom, 2022, 2020, 2021. Donc on peut les désactiver si on veut. C'est recommandé. Et les extensions inactives. Hop. Et le loadoli, bah oui, on peut la supprimer. Voilà. Et l'anti-spam, bien entendu. Alors, je vais l'activer pour le LOL, mais normalement, il faut une clé. Voilà, configurer. Bon, bah, on va le supprimer aussi. Hein. Hop. Pourquoi il me raffiche chez loadoli? On peut pas, tant qu'elle est activée sur le site principal. Elle est activée? C'est quoi cette blague? Ah oui, d'accord. Ouais, elle s'est activée, d'accord. Elle s'est activée toute seule. Donc, normalement, si je reviens dans les outils et que je viens dans santé du site, il devrait me dire que, voilà. Vu que le truc est activé, il chouine plus. Il part du principe que je l'utilise pour de vrai. Et là, pareil, les thèmes, bon, il faudrait soit les activer, soit les désinstaller. Ok. Et maintenant, eh ben, on va pouvoir y écrire un contenu d'exemple. Alors pour écrire un contenu d'exemple, bah c'est relativement simple, hein. On va aller ajouter un article. Voilà, suivant. D'accord, ok. Ça fait longtemps que j'ai pas. Oh punaise, oui, ils ont un éditeur en mode What you see is what you get, c'est waouh! Hop, allez, je le publie. Cache. Voilà. Voir l'article. Voilà.
Bon, j'ai fait ça de façon très, très basique, hein, mais voilà, on peut le publier. Alors, bien entendu, on peut avoir certains processus de publication beaucoup plus complexes. La gestion utilisateur, tout ça, enfin, bon, le but n'est pas de faire 2 heures sur WordPress. Le but est juste de voir que l'installation d'un CMS va nécessiter un certain nombre de paramètres qui sont généralement l'accès à la base de données et s'assurer que certains répertoires sont disponibles en écriture. Ce qui est le cas pour nous puisque le répertoire appartient à 3wdata et les sous-répertoires aussi. Voili, voilou. On peut donc profiter un petit instant des compétences apprises jusqu'à maintenant. L'occasion pour moi de vous remercier à nouveau de m'avoir suivi jusqu'à cette étape. Pour moi, c'est un point assez important de pouvoir dire on a fait de zéro à WordPress. On a vu entre guillemets les bases, vraiment les trucs de base pour aller jusqu'à l'installation d'un CMS en PHP avec une base de données MySQL MariaDB. Donc, si vous avez suivi la vidéo, enfin toutes les vidéos jusqu'à maintenant, d'abord bravo. Même si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos, bravo quand même. En particulier si jamais vous faites le TP en même temps. Et j'espère que vous êtes bien accrochés pour la suite, parce que on va voir maintenant des trucs un petit peu plus avancés pour continuer, parce que y a quand même des choses intéressantes à voir encore. Qui, je l'espère, vont vous plaire. Voilà, j'en profite pour remonter le siège. J'espère que tout va bien. Je voudrais prendre un petit instant pour voir si certains d'entre vous auraient des questions. Pas seulement sur WordPress, parce que bon, le but était juste d'utiliser WordPress en tant qu'exemple, mais sur d'autres TP. Je pense que parmi les 23 qui êtes là à présent, il y a peut-être des gens qui ont suivi une bonne partie des TP qui ont été faits jusqu'à maintenant, avant d'enchaîner sur Nginx. Alors, je ne sais pas si y en a qui se ruent sur leur clavier ou si d'autres préfèrent continuer à regarder en attendant que ça avance. Pas de questions de la part de Xavier. Ok, pas de soucis. Pas de soucis. Haribo non plus, pas de questions. De toute façon, Alors, je ne saurais juger de votre niveau à l'un et à l'autre, mais je pense que vous n'avez pas eu de soucis à suivre ces 5 épisodes précédents et ce 6e épisode. Eh bien, je vous propose qu'on avance et qu'on enchaîne sur Nginx. On va couper tout ça, voilà, hop. Alors avant de commencer Nginx, la question c'est est-ce que Server 13 est installé? Server 13 est installé, et ça c'est chouette. Donc ça veut dire que j'ai mon... Hop là. Hop. Ah bah oui, forcément. Alors, ça va être l'occasion avant de commencer Server 13. Vous avez ce genre de choses-là. Parce que vous avez réinstallé votre machine. Le truc classique, c'est d'aller éditer à la main le fichier nonhost qui est dans le répertoire.ssh pour retirer l'ancienne clé de la machine que vous avez réinstallée. Ce que j'aime bien d'ailleurs avec certaines, enfin c'est peut-être, je crois que c'est l'un des rares trucs que j'apprécie d'Ubuntu parce que je crois que c'est la seule fois où je le vois. Il dit, au fait, si vous avez modifié votre clé SSH, tout à fait, comme le dit Xavier, il y a une commande pour ça et Ubuntu l'indique. Voilà, il n'y a qu'à copier-coller. Et en gros, le principe, c'est de faire un SSH-keygen moins R avec l'adresse IP. Ou le nom d'hôte. Enfin, le nom que vous avez utilisé. Donc, plus qu'à faire ça. Et là, il le dit, au fait, voilà, j'ai trouvé des lignes qui correspondait à ça, je les ai effacés, mais au cas où, j'ai fait un petit backup. Et c'est là où je trouve ça super pratique par rapport à aller éditer le fichier à la main, ce que j'avais tendance à faire jusqu'à maintenant.
Comme quoi, hein, on en apprend tous les jours, même moi aujourd'hui. Et en plus, avec le petit backup à côté, c'est quand même bien pratique. Donc, à partir de là, on va pouvoir se connecter à nouveau à la machine qui va nous redemander la clé. Voilà. Alors, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à retaper le mot de passe. Donc, SSH copy ID serveur 13. Tout à fait, Xavier, comme tu l'indiques, s'il y a un seul fichier, on peut se passer de l'option moins F. Voilà. Plus de mot de passe, plus de problème. Bien, bien, bien. On est maintenant sur serveur 13. Je passe ces routes. Pour le principe, hein, on va faire un petit apt update, même si normalement. Apt upgrade. Mais bon, la machine étant fraîchement installée, pas de mise à jour. Décidément, je crois que c'est vraiment la partie graphique de Virt Manager qui pose problème. Hein. Alors. Nginx. L'idée, ça va être donc d'installer notre serveur web Nginx, de créer des virtualhosts comme on a fait avec Apache. Mais il y a un petit truc qu'on va faire qu'on n'a pas fait avec Apache. Il en est capable, hein, mais forcément, vu qu'on avait installé, on avait zéro serveur web d'installer, on ne pouvait pas forcément le faire. Mais on va l'utiliser en tant que reverse proxy ou mandataire inverse en bon français, entre guillemets. Alors, avant de vous parler de Nginx, je vais peut-être aller récupérer un instant. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre comment dire? Dans le GitHub, enfin dans le repo Git des TP. Vous vous rappelez peut-être. Lors des TP précédents de ce schéma-là. Hop. Alors, on va mettre là. Puis on va zoomer un peu. Voilà. Et là, en fait, pour rappel, à la base, le système des, entre guillemets, ce qu'on appelait les architectures trois tiers, c'est d'avoir un serveur web qui assure la présentation, un serveur applicatif qui fait les traitements et qui stocke les données dans une base de données, généralement relationnelle. Et puis, on avait vu que plus récemment, c'était devenu un petit peu le bazar, puisque... hop, les noms j'ai envie de dire des nouveaux tiers sont plus personnels que les tiers historiques. Voilà. Et donc on avait un tiers que j'appelais distribution avec des répartiteurs de charge, du cache, du reverse proxy, de l'animation, de la donnée volatile. Et Nginx, qui est capable de faire serveur web, est aussi capable de faire répartiteur de charge, de faire web application firewall en utilisant mode security ou Naxi, de faire cache ou juste reverse proxy de base pour permettre d'être en frontal de plusieurs serveurs web qui par exemple, en fait, combineraient ensemble un même et seul site web. Donc, on avait jusqu'à présent un serveur Apache, on va voir ici à cette couche-là Nginx, et ensuite on va utiliser Nginx en reverse proxy devant notre Apache. Alors, Nginx, c'est un serveur HTTP au même titre qu'Apache. Vraiment, pour le coup, alors il fait des choses que Apache ne fait pas, il fait des choses que Apache ne fait, mais à la base, c'est aussi un serveur web. Il est un peu moins connu, il a mis un moment à être connu pour une raison toute simple, c'est qu'à la base, il a été créé par des personnes de nationalité russe. Alors, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est juste qu'à l'origine, la documentation pour Nginx n'était disponible qu'en russe. Et ce n'est que quand le logiciel a été un peu plus solide, maintenu, que quelqu'un a commencé à faire de la documentation, à traduire la documentation russe en anglais. Et là, le logiciel a commencé à être un peu plus connu de façon internationale.
Il est assez populaire, pourquoi? Bah justement grâce à ses possibilités de reverse proxy. C'est un classique que d'avoir un serveur web, bah, typiquement un Apache, devant lequel on va mettre un Nginx en reverse proxy. Donc comme je vous ai montré hein, dans le schéma, bah, on peut rediriger du trafic vers un serveur, ou avoir même certains trucs, on les renvoie vers un serveur d'application, et certains autres trucs, on les garde en local, comme par exemple des fichiers statiques. On peut faire de la mise en cache, donc de la répartition de charge, ou un filtrage de sécurité avec un WAF. Contrairement à Apache, Nginx n'est pas développé par une fondation. Oui, parce que pour rappel, donc la fondation Apache, c'est une entre guillemets une ONG quelque part. Hein. Ils sont pas là pour l'argent. C'est une non-profit. Mais il existe une société qui s'appelle Nginx Inc. Qui existe et qui commercialise une version donc commerciale avec du support commercial qui s'appelle Nginx Plus. Je vais faire un petit aparté par rapport à l'actualité. Donc cette vidéo est tournée le 20 mars 2022 et au moment de l'enregistrement de cette vidéo, nous sommes en plein conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a sur le plan, bien entendu, sur le plan géopolitique, il y a donc une guerre. Mais cette guerre aussi, elle a des impacts sur les business et sur le plan de la cybersécurité. Et Nginx est un logiciel d'origine russe. Et la société, à la base, est une société d'origine russe. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que depuis quelques années, la société Nginx a été rachetée par une société américaine qui s'appelle F5, F5 plutôt en anglais. Qui est une société qui fabrique des appliances, des plateformes matérielles de répartition de charge, principalement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser Nginx parce que c'est russe? Je ne vais pas rentrer dans le sujet plus que ça. Toujours est-il qu'à la base, le logiciel d'origine, il est libre et il est sous licence BSD à deux clauses. Ça veut dire que le code source, vous pouvez le regarder. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez aller regarder le code source. Voili, voilou, pour cet aparté concernant l'actualité. Côté installation, eh ben, j'ai envie de dire c'est relativement simple, hein. On a une Debian, le logiciel est assez populaire, Nginx est dispo dans Debian, donc bah, apt install Nginx. J'ai envie de dire, j'aurais pu décider de, presque, hein, j'aurais pu décider de recopier le TP Apache et de remplacer à chaque fois Apache par Nginx. Ou presque. Puisque en plus Nginx aussi a un système de modules. On n'ira pas dans le détail des systèmes de modules, hein, on va pas voir. Hein, de toute façon, on a vu comment ça fonctionnait pour Apache. Bien entendu, la configuration, le format de configuration n'est pas le même dans le cas d'Nginx, mais ça ne change pas grand-chose. Donc Nginx est lancé. Si je fais un petit pgrep Nginx, on a Nginx qui tourne. Hein, comme d'habitude, dans le cas d'un service, d'un démon, Debian le lance automatiquement à l'installation. Donc à partir de maintenant, on peut aller regarder sur notre machine. Voilà, Welcome to Nginx. Hop, je vais le remettre là. Welcome to Nginx. On va justement aller dans le fichier, enfin dans le répertoire de configuration de Nginx. Et on peut voir que ben, voilà, on a un conf.d, on a des trucs, on a un nginx.conf. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a un site available, un site enable, un modules available et un modules enabled. Ça vous rappelle rien? Allez, je vais vous aider pour la mémoire. Hop, ça on va couper puisque c'était la partie. SSH serveur 11. ETC Apache 2. Conf available, conf enable, mods available, mods enabled, site available et site enable. Donc, chez Debian, ils ont été relativement cohérents, je dis relativement, on va voir pourquoi, entre Apache et Nginx, c'est-à-dire qu'a priori, on aurait le même système de fonctionnement.
avec des fichiers, des liens symboliques. La principale différence, c'est que contrairement à Apache, Nginx n'a pas d'outils pour vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai activé le VirtualHost pour notre blog WordPress, j'ai fait A2 nSight. Là, on ne l'a pas. Va falloir faire les liens symboliques à la main. Donc, bah justement, les VirtualHost, on va en parler tout de suite. Donc, sur la machine locale, on va ouvrir un terminal et on va passer route. Alors, notre machine locale, hop, elle est là. Alors, passer route, non, enfin, vu que c'est une Ubuntu, hop, etc, host. Et ce qu'on va faire, bah, de toute façon, j'ai la ligne, donc on va pas, hop, copier. Hop, coller, voilà. Notre serveur 13. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire serveur 13. Ah, j'avais 11. Hop, allez, serveur 13.example.com, welcome to Nginx. Et 3W13, welcome to Nginx. Ok, cool. Maintenant, on va revenir sur notre serveur 13. Hop, voilà, ici. Et, bon, on est root, ok. Et on crée l'arborescence qui est indiquée ici. J'ai repris la même arborescence qu'avec Apache. Donc, si vous avez réussi à créer votre arborescence avec Apache, normalement, il n'y a pas de souci pour créer celle-ci. Je vais vous le refaire de toute façon, hein. On fait un petit mkdir avec le moins p, on va faire même moins vp. Donc, le v pour être verbeux et le p qui va permettre de créer en fait toute l'arborescence. SRV, 3W. Et on disait quoi? Serveur 13.example.com. Et ensuite, on va faire des accolades et on va mettre log, virgule, public. Public. Voilà. Et là, il a créé srv3w, serveur 13.example.com, log et public, au bon endroit. Et si je fais un petit tri de slash srv, on peut voir que j'ai exactement la même chose. Jusque-là, tout va bien. On va rajouter un petit index.html. Dans notre public. Hop. J'ai dit index.html. Voilà. Et on va faire coucou. Ceci est un site web servi par Nginx. Ouais, je sais, les majuscules, c'est. Hop. C'est pas top, mais ce sera lisible. Et puis. On va pas s'embêter la vie, je vous ai préparé un petit fichier de conf dans le repo Git et on va le transférer tout de suite. Hop, donc ici, si je vais dans mes documents. Alors bon, j'ai fait le gitpool-r en début de vidéo, mais pour le principe, si jamais vous avez. Ah tiens, j'ai des trucs locaux. Ah oui, bah oui, j'ai des trucs locaux, oui. Git reset moment hard. Hop, voilà. J'ai bien récupéré le TP12. Et je dois avoir un répertoire Nginx et un serveur 13.example.com.conf. Donc, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un SCP de ce fichier de conf vers serveur 13 de point. Alors, histoire que vous voyez bien la ligne. Voilà. Donc, je copie le fichier de conf. Donc, j'ai le chemin de mon fichier de conf. Et je l'envoie sur serveur 13 en utilisant SCP. Donc SCP, pour rappel, qui permet de faire de la copie via justement le protocole du même nom qui est basé sur SSH. Donc on va revenir sur notre serveur 13. Donc là, mon fichier de conf, il a été dans le répertoire home de student. Donc on va faire un petit mv de slash home student serveur 13.example.com.conf. Et on va le mettre dans site available. Voilà. Donc on avait un vhost, un virtual host, pardon, par défaut. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire en slash home route, deux points route. Hop, par précaution. C'est pas gênant en soi. Enfin, dans notre TP, c'est pas gênant, mais ce genre de fichier de conf doit appartenir à route. Là, on est juste dans site available, donc on va vouloir aller dans site enable.
une build, pardon, et on va vouloir faire le lien symbolique pour pouvoir l'activer et ensuite redémarrer Nginx. De mémoire, c'est ce que dit le TP. Donc, Nginx ne possède pas de programme d'aide comme Apache pour simplifier la création des liens. On va donc aller dans le site enabled et on va créer le lien symbolique avec la petite commande qui est indiquée ici. Et que fait cette commande? Et bien, elle crée donc un lien symbolique. Le moins S permet que le lien soit symbolique et le V est là pour être plus verbeux. Il l'a créé, on peut revérifier. Il est là. Et maintenant, on peut relancer Nginx. Normalement, maintenant, si je vais sur mon serveur 13, alors là, c'était le truc par défaut, là, c'était 3.2, hop, voilà. Si je rafraîchis, coucou, ceci est un site web servi par Nginx. Top. Ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est aussi regarder un petit peu dans le fichier de conf. Et de la même manière que pour le fichier de conf que je fournis pour Apache, donc j'ai bien défini l'emplacement racine du site web. Alors donc, en terminologie Apache, on avait... mince. C'était le... oh, j'ai mangé le nom. Bah, de toute façon, je vais le regarder. Hein. Server 11, site enabled. Server 11, hop. Voilà, le document route. Donc, on avait le document route. Et ben la directive correspondante côté Nginx s'appelle tout simplement route. De la même façon qu'on a un directory index, côté Nginx, on a juste un index. On a un server name. Alors, moi, j'ai mis tout sur le server name. Et au lieu d'avoir... Alors, dans notre cas de figure, là, on n'avait pas utilisé les... Alors, est-ce qu'on l'avait fait pour 3W11? Non, on ne l'avait pas fait pour 3W11. Mais on avait vu dans la configuration Apache, dans le fichier de conf de Racine, notamment quand on était allé modifier pour slash SRV. Hop, voilà. Vous voyez qu'on avait des directives comme ça, directory. Et ben sous Nginx, en fait, on appelle ça des généralement des locations. Donc là, on a un premier truc, hein, on a une petite règle qui dit juste que voilà, si jamais le fichier n'est pas un fichier, on essaye de voir si c'est un répertoire. Sinon, c'est un 404. Et enfin, on a une directive d'access log et une directive d'error log pour gérer de la même façon qu'Apache les logs d'accès et les logs d'erreur. Alors oui, la syntaxe est différente, il y a des points-virgules à la fin, il y a quelques accolades, mais bon, ça reste jusqu'à présent facilement lisible. Ça va. On a créé notre premier virtual host, maintenant on va en créer un deuxième. Et on va l'appeler 3W13. Donc ça va être relativement simple, hein. On va retourner dans site available, hein. On va faire un CP de server 13 en... 3w13.example.com.conf. Voilà. Je vais remplacer tout ce qui est serveur 13 par... Alors ce que je vais faire, tiens, parce que je sais que, bon, moi, je suis un utilisateur de VI depuis des années, donc c'est l'outil qui est pour moi le plus simple, mais je comprends que, hop, parfois quand on débute... VI, ça peut être un peu déroutant. Donc on va le faire avec Nano. Puisqu'avec Nano, on peut faire un replace. Non. Ça, non. A priori, on peut faire un replace. Ah non, c'est contrôle... Voilà. Le petit chapeau, c'est contrôle. Alors, on cherche donc serveur 13 et on le remplace par 3W13. Hop. Et on remplace toutes les instances, donc grand A. Voilà. Et maintenant, on écrit. Voilà. Et on quitte. Je vais revérifier ça. Donc, on est bien sur ça. OK. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va rappeler notre mkdir-p. Voilà. Et...
On va juste mettre 3W13. Alors Xavier G, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut apprendre VI. Maintenant, comment dire? Tu peux vouloir apprendre VI, mais tu peux ne pas vouloir que ce soit ton éditeur de texte pour tout. Moi, j'ai fait ce choix de me plonger, entre guillemets, à corps perdu dans VI, dans Vim. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai un collègue fantastique, qui est super compétent, qui est vraiment excellent. Et VI, c'est pas son truc. Il sait s'en servir. Tu lui donnes un serveur sur lequel il n'y a que VI, il va se débrouiller. Mais sa préférence va à Nano. Et quand Nano est dispo sur une machine, il va utiliser Nano. Et il sait se servir de Nano, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais en train de me dire, mais mince, c'est comment on fait une recherche et un remplacement. Mais lui, il le connaît, c'est bon. Et j'ai l'impression que d'ailleurs, de plus en plus de distrib Linux ont tendance à mettre Nano par défaut comme éditeur de texte. Donc, je comprends. Après, moi, j'ai mon habitude d'utiliser VI Vim, mais je veux pas que ce soit un frein non plus. Vaut mieux savoir s'en servir, mais... Haribo qui nous dit comment tout le monde ne fait pas son admin système avec SED uniquement. Alors, pour la blague, j'aurais même tendance à te dire, mais en fait, le véritable éditeur de texte, c'est ED. Voilà. Xavier G répond parfaitement, avec ED. Bref. Cette petite blague étant faite, on voulait donc un 3W13. Donc, j'ai mon arborescence. Je vais aller créer... cat dans... dans un index.html. Mais non, pas l'n-s. Hop là. Hop, cat. Hop. Slash index.html. Puis ici, on va mettre serve. Non, 3W13. Voilà. On va retourner dans le site enable. Enable. Hop. Voilà. Alors, petite astuce. Quand vous êtes dans un répertoire et que vous voulez faire un lien symbolique dans ce répertoire d'un autre truc. C'est pas servi, c'est etc nginx site available et on voulait mettre le 3w machin. Donc généralement vous allez mettre par exemple carrément le nom du fichier si jamais c'est pas le même. Si jamais c'est le même, vous pouvez mettre juste point slash. Voire même si c'est dans ce répertoire là, bah, vous pouvez omettre cette option en entier. Et voilà, ça fait encore des caractères en moins à taper. Heureusement, la commande ln est assez intelligente. Parce que sinon... voilà. Oula, Haribo qui renchérit avec 4. Et ben... ça va être le concours à celui qui utilisera l'outil le plus simple, pour pas dire simpliste, pour éditer du fichier texte. Donc, on a notre arborescence, on a notre fichier de conf, il est activé. Il faut qu'on redémarre Nginx. Voilà, on a redémarré Nginx. Et on va pouvoir aller jeter un œil à www.example.com qui m'affiche fièrement un 3W13. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ce qu'on va même pouvoir faire maintenant, c'est d'aller regarder d'ailleurs dans les logs. SRV 3W13, log. Et notre access log avec donc... Et vous pourrez remarquer d'ailleurs que par défaut, le format de l'access log ressemble à celui de, à celui d'Apache, celui qu'on avait initialement utilisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait modifié un peu la configuration de l'access log Apache pour qu'il nous affiche le virtualhost. Alors, SonicPM qui a une question un peu générale sur les droits des fichiers.
Quand on veut que le groupe soit en lecture, le propriétaire en écriture et on veut ajouter un utilisateur en écriture, comment faire? Ou c'est la logique qui n'est pas bonne? Alors, excellente question. Et ben écoute, on va aller faire ça en direct. Hop. Alors, oui, c'est vrai que je crois que comme les vidéos, enfin au moment où j'enregistre, les vidéos sont pas encore publiées sur YouTube. Les réponses à tes questions, si jamais tu veux creuser ça, Sonic PM, tu as dans le TP2, si je ne m'abuse. Non, ça c'est la VM. Gestion des logiciels. Configuration du réseau. Voilà. Étape 4, gestion des utilisateurs. Et étape 5, gestion des groupes. Et étape 6, suppression des utilisateurs et des groupes. Alors je vais répondre à ta question. Mais moi, ce que je t'invite à voir, c'est à l'occasion à passer sur le TP numéro 2 et à regarder les étapes 4, 5 et 6 qui vont te permettre d'aller un peu plus loin. Et de refaire ça justement. Alors, on veut que le groupe soit en lecture. On veut que. Ah, tu veux que le groupe soit en lecture. Et tu veux ajouter un utilisateur en écriture. Alors, j'aurais tendance à te dire qu'il faudrait que le groupe soit en écriture. Et spécifier un groupe en particulier. Exemple. Là, on a dans etc passwd, on a un utilisateur qui s'appelle student. Alors on va faire un petit user add et on va l'appeler je sais pas moi on va l'appeler second, tiens, hop. Voilà. Passwd second. Voilà. ID second. Et donc il a un UID, il a un groupe, ok. Et supposons qu'on fasse un index 2, tiens. Allez, index.html, index 2. Voilà. Non! J'ai dit index 2. Voilà. Donc, on a ce fichier-là et on veut que à la fois student et second soient capables de décrire dedans. On peut créer un groupe. Donc, on va faire un groupad qu'on va appeler Web Editor par exemple. Web Editors avec un S, tiens. Voilà. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un User Mode moins A moins G Web Editors à Student. Voilà. Et on va faire pareil à Second. Donc si je refais un ID de student, là on voit qu'il appartient au groupe Web Editors en plus des autres. Et second, on voit qu'il appartient maintenant aussi à Web Editors. Donc ce que je peux faire pour mon fichier index 2, je peux faire un chown. Alors, on va dire qu'il appartient toujours à root, hein, mais qui va appartenir aussi à Web Editors. Hop, index 2. Voilà. Donc là, j'ai root qui peut écrire, web editors qui peut lire et les autres qui peuvent lire. Là, cette fois-ci, root peut toujours écrire, mais web editors peut écrire. Donc mes deux utilisateurs, student et second peuvent écrire. La preuve, c'est que sur student, par exemple, on va faire un petit vie, on va faire un petit vie, nano. Allez hop, nano. Normalement, je devrais pas avoir de soucis. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter. On va peut-être l'écrire en hop, coucou. De student. Voilà. Je fais second. Nya, nya, nya. Ah bah oui, j'ai pas créé son home, mais c'est pas grave. On va reprendre la même commande.
Voilà. Problems with history file. Bon, ça, c'est pas très grave parce que c'est pas parce qu'on lui a pas créé son home. Mais si je fais ici, et eh ben je peux faire coucou de second aussi. D'ailleurs, j'oublie le. Hop, voilà. Voilà. Et si je vais toc 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 ici, c'est 3W13 que j'ai fait, hein. J'étais dans quoi? Ah non, j'étais dans. Si, 3W13. Ah oui, c'est l'index 2 que j'ai fait. Index 2.html. Voilà. Le plus simple de prime abord, c'est de passer par le groupe. Et si jamais tu veux jouer de façon un petit peu plus poussée avec ça, voilà, TP2, étape 4, 5, 6. Ceci étant vu, oh ben je t'en prie, hein, Sonic PM, faut pas hésiter. Ça rend les vidéos plus dynamiques, je trouve, quand il y a des gens qui posent des questions en live. On va passer au dernier, à la dernière partie de notre vidéo du jour. C'est qu'on va jouer, on va découvrir une petite directive qui permet de mettre en place un reverse proxy avec Nginx. Donc le reverse proxy, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction à cet EP-là. On va aller modifier notre petite conf là sur serveur 13. Donc dans le virtualhost de serveur 13.example.com. Alors, on va dans slash etc, nginx, dans site available et serveur 13. Et donc dans serveur 13, on a donc une location slash. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le proxy pass. Hop, voilà. Et on va redémarrer Nginx. Donc, pour rappel, donc j'ai rajouté un proxy pass. Je reviens ici, et donc server13.example.com. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je tente d'y accéder? Eh ben, je retombe sur le PluxML. Mais le PluxML, il est où? Il est où le PluxML? Il n'est pas sur serveur 13. Petit rappel, hein? Il est là. Ah non, ça c'est le WordPress, autant pour moi. Hop, c'est le WordPress. Donc il est sur, hop, il est sur blog.example.com. Qui du coup doit être le VHost par défaut. Voilà. C'est plutôt sympa, non? Alors, ce qui peut être assez drôle, c'est aussi d'aller regarder d'ailleurs dans notre. Donc là, je suis où? Je suis sur serveur 11. Alors, je vais en profiter pour hop, remettre ici, comme ça. Et ici, de toute façon à ce qu'on ait les limites qui sont bien posées. Voilà. Donc, si je vais dans SRV sur. Donc là, je suis sur serveur 11, hein. 3W. Et si je vais dans blog et que je vais dans les logs. Alors, Sonic PM, proxy pass et proxy space reverse force, je me demande si c'est pas plutôt côté Apache. Mais je peux peut-être me tromper. Pop, 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 pom. Ici, donc, je vais jeter un œil à l'access.log. Un truc qui est marrant, c'est que pour le moment. Ah oui, non, il doit être dans le VHost par défaut. Donc, dans var 3w apache 2. Non, var log, pardon. Var log apache 2. Pop, 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 pom. Non, il n'est pas dans l'access log ici. Qu'est-ce que j'en aurais fait de ce truc? Pop, 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 pom. Je fais un petit tail moins f de l'access log. Que je recommence mon serveur 13. Si, c'est ça, voilà.
Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il m'affiche quand même la bonne IP. Tiens, c'est assez amusant. Il a détecté tout seul que c'était la bonne IP. Ou alors... Non, ah si, ça y est, je sais ce qu'il a fait. Je sais ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, tous les assets, eux, sont nommés en blog.example.com. Donc, si je fais un grep, si je fais un... Alors, on va faire un tag-f, pipe-grep, et on va dire 192.168.122. Bah, point 13. Voilà. Et si je recommence, voilà. Donc la première requête, je vais vous expliquer là, j'ai été un peu vite, mais je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de notre serveur web Nginx, on a dit que il envoie le contenu du location slash dans 192.168.122.11. Comme on ne spécifie pas de virtual host a priori, ça va être celui par défaut de notre Apache, qui est donc sur cette IP-là. Sauf que le vhost par défaut sur cette IP-là, qui est en fait le premier vhost, c'est blog. Le blog WordPress qu'on a installé aujourd'hui. Et donc la première requête, elle va bien tomber dessus. Mais toutes les requêtes de tous les assets, enfin tous les assets, tout ce qui est contenu supplémentaire, c'est-à-dire la CSS, les images, ou voire même le JavaScript, eh bien quand on regarde le code source du WordPress, le code source HTML généré, ce qu'on peut voir, c'est que dans un certain nombre de cas de figure, les URL sont en blog.example.com. En fait, il va préfixer tout avec un blog.example.com. Là, par exemple, le flux RSS, il précise que c'est directement blog.example.com slash machin chose. Voilà. Là, la CSS, elle est appelée directement avec blog.example.com. Ce qui fait donc que la première page, la première requête, elle passe bien par notre serveur Nginx. Et les autres, elles vont directement sur le Apache. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que donc, pour le serveur web Apache, la première requête, elle vient de serveur 13. Et absolument pas de la machine locale. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on pourrait faire en sorte que notre blog, l'adresse de notre blog, soit sur le serveur 13 et pas sur le serveur 11. Et dans ce cas-là, tout passerait par le reverse proxy. Enfin, ça peut être une modif qu'on peut faire. Quelle était déjà l'intitulé du TP pour la suite? Oui, on va modifier la directive ProxyPass pour tenter d'accéder en particulier à Server 11 ou à 3W11. Alors, pour cela, d'ailleurs, je crois que j'avais oublié un truc, c'est d'éditer le fichier de conf. Voilà, ça. On va rajouter dans notre CC host sur Server 13. Hop, ah, non, ici, voilà. ETC host. Hop. Donc on rajoute notre serveur 11 par exemple .com et notre 3W11. Et on va aller rééditer notre fichier de conf Nginx. Et puis là, on va mettre serveur 11.example.com. Et on restart Nginx. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais je vais sur mon serveur 13 et que je rafraîchis la page? Hop, voilà, là j'ai mon PluxML. Et il est fort probable que PluxML fasse pareil. Vous voyez qu'il y avait écrit serveur11.example.com. Et si jamais je reprends celui-ci et que je mets 3W11,
et qu'on restart, qu'est-ce que ça va nous faire comme, comme résultat? Ben, il nous dit, au fait, www.example.com. Alors là, pour le coup, comme il n'y a qu'une seule page, on peut aller regarder sur serveur, hop, sur serveur 11. Voilà. Donc, on est sur quoi, là? Sur le www11. Hop, tail-f access log. Hop, je rafraîchis. Et www.example.com, donc c'est bien notre virtual host. Et là, on a 122.13 avec la requête. On va faire un petit bonus par rapport à ce qu'il y a dans le TP, puisqu'on a vu que certaines requêtes passaient directement par le reverse proxy et d'autres non. Ce qu'on va faire, c'est que sur notre voilà, sur notre machine bureautique. Oh, un nouveau follow! Merci beaucoup, Scarybox! Merci à toi! C'est très gentil. Merci pour ton soutien. On va éditer à nouveau notre, notre TC host ici. Et on va lui dire que le blog, c'est serveur 13. Et on va enlever ici la partie serveur 11. Ok? On va aller dans notre conf Nginx, qui est sur serveur 13. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre serveur 13.example.com.conf et on va lui rajouter des server names. Et on va lui rajouter justement blog.example.com. Ok? Et le proxy pass, eh ben, on va lui remettre... on va lui remettre 192.168.122.11. Ça avait l'air de marcher. Par contre, lui, serveur 13, dans son ETC host, est-ce qu'on a mis blog quelque part? Non. On va d'ailleurs laisser comme ça. Hein. On va pas s'embêter la vie. Donc, on restart notre Nginx. Et on va faire un petit tail. Alors, tail-n1-f. Donc, srv3w. Server 13, log et access log. Voilà. Et donc, sur mon serveur 13, si je rafraîchis à nouveau, j'ai à nouveau mon WordPress. Mais il a l'air un peu tout cassé. Il a l'air un peu tout cassé. Alors, est-ce qu'on a... Ok, donc on a les requêtes qui viennent. Mais on se prend des 404. Hmm. Ah oui, c'est parce que j'avais fait un location slash. Et tout le reste, il ne doit pas le prendre en compte. Alors supposons que j'aille un peu plus loin et que je fasse... est-ce que je peux... Alors là, là honnêtement, c'est du non préparé. Hein. J'y vais un peu en mode... hop. Je crois pas que le proxy pass se mette comme ça. Hein. De mémoire, il se met obligatoirement dans un... donc si je retente un restart, à mon avis, il va pas être d'accord. Ouais, voilà, c'est ça, il est pas d'accord. Hop. Alors, j'enlève quand même le try files au cas où, des fois que ça pose problème. Hop. Ok, voilà, c'est le try files qui posait problème. Et là, on peut voir, voilà, il a balancé toutes les requêtes. On les voit passer directement sur le reverse proxy. Et si jamais je vais sur le serveur 11, on va retourner dans la partie blog. Hop, on va faire un petit tail moins N1. Ouais, moins N1, hop, moins F, voilà. Donc là, on a le premier truc. On va revenir sur... Ici, on va refaire pareil.
Donc là, on a juste la requête d'avant. Hein. Et si je fais un... Je rafraîchis. Ctrl-Shift-R. Donc là, j'ai plein de requêtes. Donc là, je suis sur le reverse proxy. Je suis sur serveur 13. Donc j'ai bien toutes les requêtes avec tous les assets statiques. Le JavaScript, les CSS, la page HTML. Et si je vais sur serveur 11, on peut bien voir que dans mon VirtualHost, tout vient de la part du reverse proxy. En quelque sorte, le reverse proxy, il a fait passe-plat. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ce genre de choses? Le reverse proxy, donc, il peut mettre certaines données en cache. On peut même avoir certaines parties statiques qui sont hébergées sur le reverse proxy. Je pourrais faire une copie de toute la partie statique du blog WordPress et dire, en faisant des règles un petit peu plus évoluées que juste le proxy pass que je vous ai montré, on fait à ce moment-là des règles un peu plus évoluées et on dit ben, ce qui est du JavaScript, ce qui est de la CSS, tu les prends en local et ce qui est par exemple du PHP ou entre guillemets tout le reste, tu les donnes à un autre serveur. Et comme ça, on peut avoir un serveur qui est là pour faire du statique et un serveur qui est là pour faire du dynamique. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, c'est intéressant parce qu'un serveur qui va faire que du statique, ça va être un serveur qui va être moins dimensionné ou à dimensionnement égal, qui sera capable d'encaisser plus de trafic. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un serveur qui fait que du statique et un serveur qui fait que du dynamique, puisque le serveur qui fait que du dynamique, du coup, il est taillé pour faire du dynamique. Toutes ces requêtes vont être du PHP et aucun de ces processus Apache ne sera, entre guillemets, gâché par du statique. Puisqu'on l'a vu, puisqu'on avait fait du Apache mode PHP dans les épisodes précédents, que en fait, Apache, lorsque le module PHP est intégré, les processus Apache en fait intègrent tous l'interpréteur PHP. Donc c'est un peu entre guillemets du gâchis de ressources de faire processer un processus Apache un contenu statique alors qu'il a potentiellement en mémoire tout le langage PHP entre guillemets. Voilou ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant la base de Nginx. C'est un logiciel qui peut servir à pas mal de choses. Et en particulier sur la partie reverse proxy, moi je sais que je m'en sers avec des règles un petit peu plus complètes. A priori, je vous ai tous scié là avec le reverse proxy. Alors, un truc que j'avais bien aimé à une époque, alors, je sais pas si sous Debian c'est disponible. Il y a la documentation Apache, je crois. Non. USR share doc. Non, là il y a juste le README. Bah alors. Je sais plus écrire less. c'est Apache 2-doc. Ok. Voilà. Alors, avant de répondre à ta question, Haribo, donc, un truc qui m'amuse. Mais c'est peut-être que moi que ça fait rire. Alors, est-ce que déjà, on va aller activer. On va activer ça déjà.
Hop. Donc là, ah bah. Donc normalement, si je fais slash manual, hop, donc serveur 11 slash manual. Donc là, j'ai la documentation de Apache. Toute la documentation là que vous connaissez, que vous pouvez aller voir, enfin que vous connaissez. Cette documentation-là, cette partie-là est disponible publiquement sur httpd.apache.org de mémoire. Voilà. Quand on va dans documentation, voilà. C'est la même chose, hein. Mais on a l'avantage de l'avoir en local. Et pour la version qu'on a d'installer. Et donc, a priori, dans slash manual, on peut avoir la doc. Donc, ce qui peut être drôle. Ce qui peut être drôle, c'est d'aller sur. Ben on va le refaire sur serveur 13. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un autre location. Hop. Et on va lui dire. Oh, encore un follow. Merci Ancilla. Merci beaucoup à toi. Hop là. Et on peut même lui dire de faire slash manual comme ça. Hop. Et donc là sur server13.example.com qui est ici là. Server13.example.com, je fais slash manual et hop, j'ai la documentation Apache qui est servie par un Nginx. Voilà, le petit truc qui m'amuse, la petite blague, à chaque fois ça m'amuse de le faire. On pourrait même pousser le vice jusqu'à avoir plusieurs Apaches qui tournent et on pourrait avoir certaines parties qui sont servies par l'un et certaines parties qui sont servies par l'autre. Et un Haribo qui nous parle de la transcription des URL dans les contenus retournés. Oui, c'est possible, effectivement. ProxyPass Reserve ferait cette transcription. Bah écoute, on va les regarder ensemble sur nginx.org. Parce que là, j'ai un trou de mémoire sur ce sujet-là. Mais je crois pas qu'il y ait de recherche là-dessus. Il n'y a pas de recherche sur le site de Nginx, hein. Alors, déjà, est-ce qu'il nous fait un truc dans les proxy? Proxy module. Et normalement, est-ce qu'il nous indique les choses? Ouais, alors, tu disais proxy pass reverse. Alors, j'ai rien dans le reverse ici. Alors, si je demande à un moteur de recherche Nginx. Nginx solution for. Ah d'accord. Donc le proxy pass reverse, c'est la directive Apache. Je me disais aussi. Alors a priori, du côté de Nginx. C'est d'ajouter. Ah bah oui. D'accord. Donc c'est d'ajouter des entêtes HTTP. Alors je les avais pas proposées dans le TP du jour parce que bah, ça marchait sans, d'une part. Donc ça permettait d'éviter de surcharger entre guillemets le TP avec des directives. Mais oui, généralement, lorsqu'on fait du reverse proxy avec Nginx, on met souvent des proxy set headers avec le x-forwarded host, le x-forwarded server, le x-forwarded for, ce genre de choses-là. Salut Manon, bienvenue à toi. Bon, t'arrives un peu pour la fin, Manon. Alors, je sais pas si je peux vous montrer cette conf-là, mais.
Alors. Ah non, il y a pas mal de trucs custom à moi. Je vais peut-être éviter de montrer ça. Je vais peut-être éviter de montrer ça. Ouais. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, c'est... C'est copier ça. Allez, ouvrir un autre éditeur de texte. Voilà. Non. Hop. Ouais, non. Pourquoi il n'en veut pas? Je vais vous montrer un exemple de conf de reverse proxy. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le caviarder un petit peu de mes trucs custom. Pour que... Alors... Hop. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un exemple où justement, bon, alors j'ajoute une conf avec le Web Application Firewall, et donc j'ai mon proxy pass, et puis en dessous j'ai plein de headers. Voilà. Je vais rajouter avec des options particulières de buffer, de timeout. Donc il y a moyen d'aller faire un truc vraiment, vraiment, vraiment... comment dire? Vraiment poussé sur la gestion du reverse proxy. Et en l'occurrence, alors là, j'ai pas... Ah oui, j'ai oublié de copier le truc intéressant. C'est juste que j'avais mis ça sur un... Hop. Voilà, j'avais fait un location slash public d'un truc. Et donc ça allait sur le yolo.example.com/public. Hop, voili voilou. Et bah, ce fut super chouette. On a passé un super moment. Donc on a vu ensemble. On a vu ensemble comment on installait WordPress. Après un petit retour sur le stream précédent avec PHPMyAdmin et MariaDB, on a pu voir que Nginx est utilisable aussi en tant que serveur web et qu'on peut même l'utiliser en tant que reverse proxy devant notre Apache. Et tout ça, entre guillemets, en quelques lignes de commande. Avant de vous laisser, je vous invite, comme d'habitude, à follow la chaîne pour la soutenir sur Twitch. Vous pouvez aussi regarder les replays d'anciennes vidéos sur YouTube, même si bon, j'ai un peu de lag pour mettre les replays, mais j'essaierai de m'améliorer sur ce point-là. Si jamais vous avez des questions entre deux vidéos, n'hésitez pas à aller les poser dans le Discord de la chaîne, dont l'adresse est disponible là-dessous. Je stream habituellement les dimanches de 18h à 20h, mais aussi les jeudis de 20h à 22h. Alors les streams du dimanche sont adaptés, justement, sont faits pour ce TP serveur web Linux, pour continuer. On essaiera sans doute de faire du PHP-FPM la prochaine fois. Et les streams du jeudi soir sont adaptés à d'autres sujets. On vient de finir une série sur Terraform et Google Cloud Platform. Il y avait eu pas mal de questions sur certains sujets. Donc le stream de jeudi sera plus un je réponds à vos questions.
Donc n'hésitez pas, si vous êtes en particulier, je pense, pour ceux d'entre vous qui me suivez depuis maintenant plusieurs mois, et je vous en remercie encore, ça me fait super plaisir. Si jamais vous avez des questions à propos du Home Lab ou des trucs comme ça, histoire de vous donner un petit peu l'eau à la bouche, on avait une question je crois, de sauvegarde de configuration OpenSense, et j'ai perdu la deuxième question. Je vais aller regarder tout de suite sur le Discord. On avait une autre question, je crois. Ah, je l'ai perdu. Ah oui, on avait parlé d'activer une installation automatique de Debian dès le démarrage d'une image ISO ou via PXE, via Boutréseau. Donc ça aussi, c'est des petites questions qu'on va peut-être essayer de voir ça ensemble jeudi prochain. Et si jamais vous en avez d'autres, eh ben essayez de les poser. Et si j'ai le temps, je tâcherai d'y répondre. Voili-voilou. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de week-end, un bon début de semaine, et je vous donne rendez-vous jeudi. Allez, bye bye, à bientôt!